Ainsi c'est donc fait. L'homme a conquis le cosmos. Nul ne sait où s'arrêtera sa course vers l'univers. Par une ironie du sort, c'est justement un pays considéré il y a un demi-siècle comme l'un des plus arriérés d'Europe qui a réalisé le premier cette prodigieuse aventure. Comment la Russie tsariste, le pays des moujiks, de Michel Strogoff, des bateliers de la Volga, est-il devenu en 43 ans, dont 20 de guerre, ce colosse industriel et moderne qui a coiffé sur le poteau l'orgueilleuse Amérique? Thank you.
Mais qu'est-ce que c'est? Entrons dans l'hyperespace. On y va. Première fois que je conduis un engin de cette taille. Énergie au maximum, madame. Nous devons arriver d'un seul bond au quart de carré. C'est la fin. Non, je ne le crois pas.
du désespoir.